t'inquiète, pas pour vous tous autres, bien là. Micro là, on n'a pas un micro là dans le filière. Allons-y là-bas. Ok. Ok. Il y a là. Si, voilà, lancez-le. Monsieur le Premier ministre, peut-être quelques mots au peuple de l'échelle aujourd'hui, vous l'appelez la main mauricienne, justement. Ben, à l'occasion de World Blood Donor Day, le ministère de la Santé organise un Mega Health Day. Et d'ailleurs, qui m'a salué, l'initiative n'est pas juste un exercice pour les donateurs qui donnent 10 ans, mais j'ai gagné l'occasion de faire une série de tests. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion moi-même pour faire. Je crois presque tout le test qui est disponible aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que quand nous faisons un constat de l'état de santé de la population, nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes. Et surtout, beaucoup de problèmes qui nous sont capables d'éviter nous-mêmes. Et parfois, nous faisons des affaires consciemment et parfois, nous faisons des affaires inconsciemment aussi, et qui arrive à une situation que dans beaucoup de cas, il vient trop tard pour nous aller la rectifier, pour nous, comme dire trop tard, ça veut dire qu'il évidemment pas capable d'aller là prendre une action pour essayer de remédier à une dégradation au niveau de la santé. Et nous tous connaissons qu'il y a un problème basique qui est dans Maurice. Et dans du monde qui consomme trop beaucoup de sucrerie, trop beaucoup de sel, trop beaucoup de gras. Et enfin, je ne vais pas vous dire l'abus d'alcool, la cigarette. Donc, il y a des affaires qui nous capables déjà prendre conscience depuis un très jeune âge. Je suis bien content qu'il. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation avec la santé parce qu'il nous conscientise jeunes le plus tôt possible. Et de ce fait, je trouve que maintenant, nos gouvernements nous permettent beaucoup, beaucoup l'emphase sur la santé. Hein. Alors, ce n'est pas seulement qui nous peut donner conseil, nous peut sensibiliser la population, mais tout du monde réalisé et vous d'accord que le secteur de la santé il connaît une grande avancée, un grand développement, un grand progrès. Ne serait-ce que une infrastructure qui peut faire pour nous capables d'offrir un plus grand panoplie de services ici même dans nos pays qui partent disponibles et bien sûr continuer à améliorer la qualité de services aussi. Et donc, je dis à du monde, vous êtes bizarre, non seulement essayez de suivre un bon conseil pour prévenir que vous n'avez pas gagné un problème de santé qui est capable d'éviter facilement, mais bien sûr, vous êtes bizarre, régulièrement, vous êtes faire un check-up, vous êtes faire un test. Et ce test-là, il peut venir devant nous la porte aujourd'hui, ici, à quartier militaire. Donc, ils profitent de tout ce service-là. Et vous pouvez capable aussi certainement saluer tout le monde qui peut venir donner 10 ans aujourd'hui. Vous pensez qu'il donne 10 ans, c'est déjà une action très noble parce qu'il nous peut contribuer pour sauver la vie du monde. Et nous connaissons qu'une manière, il n'est pas juste aujourd'hui, pendant tout le long de l'année, une institution de santé bizarre, donc 10 ans. Et vous connaissez, il y a du monde qui dit vous êtes prêts pour donner la vie pour ce pays-là. Mais si vous êtes capable de donner la vie pour ce pays-là, pourquoi vous êtes capable de donner un petit peu 10 ans? Donc, pour essayer de contribuer aussi pour sauver la vie du monde. Donc, moi, je suis bien content que chaque fois, je fais un devoir personnellement pour venir donner 10 ans. Et je l'appelle, bien sûr, à tout le monde,
tout le monde qui est capable, bien sûr, de donner du sang, ben, faire ça devoir là. Et je trouve qu'il peut quand même apporter un grand, grand soulagement, surtout au du monde qui est dans le besoin. Non. L'actualité, laisse l'actualité. Nous avons l'occasion de causer dans les autres. La nouvelle cause, la santé, au limite, moi, c'est la santé. Donc, juste pour ce soir, oui, Monseigneur Duroni dit hier, dans un discours très lancement, pareil, donne son, hier matin, au Collège Lorette, indirectement, qui manque jeune, qui appelle la manque jeune, ou donne son, parce que c'est 10% seulement de chiffre, 10% de jeunes seulement par an, donne 10%. Et aussi, il dit que le 200 est un moyen de rassembler l'unité nationale. Qui est là pour l'action? Tenez, quand vous faites rentrer là, vous trouvez un tableau qui est exposé. Vous trouvez Blood Connects People. Ça veut tout dire, parce que dans une situation côté Ndjimoun, les en situation d'urgence, côté les bien bizindissants, right, pour sauver la vie. Mais nous réaliser que si peine ce dissent qui est disponible, ce cas est fatal. Alors, bien sûr, je joins moi à l'évêque pour dire qu'il nous fait un appel surtout à bonnes jeunes. Nous, bonnes jeunes, nous devons prendre conscience qu'il dit n'importe qui quelque chose qui arrive nous-mêmes. Quand nous trouvons dans cette situation, quand nous bien besoin de dissent. Donc, ce n'est pas l'éla qui nous a le réalisé, qui nous capable de faire un geste aujourd'hui pour sauver la vie du monde. Donc, bien sûr, nous faisons l'appel à d'ailleurs tout le monde, y compris bien sûr les jeunes, et pour faire ça de voir là. Et moi, bien content ici, moi pensez la mobilisation qui finit là ici, je pense aujourd'hui qu'il prend un bon exercice, que pour gagner quand même une bonne quantité de sang. Mais seulement, m'aurait dit, il ne fallait pas lire un one-off. Là, aujourd'hui, nous, là, bien sûr, nous bien contents qu'il y en ait autant, du monde peut donner 10 ans. Nous, bien, parce qu'il bien 10 ans pendant tout le long de l'année. Et vous connaissez, ça va les autres moments, là, nous faire l'appel. Mais nous, pas nécessairement mobiliser physiquement pour venir être place. Donc, la cause, ça qui m'a d'accord, qui bien continuellement. Qui va nous faire ça. Je m'appelle ça un devoir. Si vous avez 10 ans, ou en bonne santé, ou vous avez 10 ans, il n'y a aucune raison qui vous pas capable de donner. Trouvez un moment. Vous n'êtes pas libre aujourd'hui, vous n'êtes pas occupé demain, après demain, mais trouvez un moment pour venir donner 10 ans. Monsieur le ministre, vous voyagez en même, comment ça se passe? Non, nous causons la santé, nous causons la santé aujourd'hui. Après, nous avons l'occasion de demander les autres sorties là. Donc, quand nous avons cause, les autres, nous répondons à toutes les autres questions aussi. Merci. Ok? Merci, monsieur. Allez, merci.